Oh, c'est intéressant. De toute façon, il réagit très bien comme un piano. Par rapport à sa taille, il est excellent. J'ai un faible pour les aigus. Ils sont très beaux. Par ici, toute cette partie ici sonne très très bien. Alors, il faut leur demander de rajouter 2 mètres là pour avoir des basses qui correspondent. Très très bien. Mais ça m'intéresse de voir comment ça sonne en silence. Alors, la première fois, en fait, quand j'ai déménagé à Berlin, tout d'un coup, j'étais en appartement, j'étais plus en pavillon. Donc, il fallait absolument que les voisins, parce qu'à Berlin, comme partout, les voisins n'aiment pas la musique. Enfin, ils adorent la musique, mais pas chez eux. Donc, j'ai regardé un peu autour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit que peut-être le silent piano, ce serait la solution pour pouvoir jouer. Finalement, on oublie, il ne faut surtout pas oublier qu'on travaille beaucoup dans la relation entre ce qu'on entend et ce qu'on sent. Ce sont les deux choses qui vont ensemble. Eh bien, il y a beaucoup de progrès. C'est vraiment très, très différent d'avant. Voilà. Ce dont je me souviens d'avant, d'abord, c'est qu'il y a quand même une réaction beaucoup plus directe, comme si on avait un piano. On n'a pas l'impression d'être passé par de l'électronique. Oui. Ça, c'est la première chose. En plus, on a quand même l'impression aussi qu'on recrée un espace, qu'on n'est pas bloqué. Parce que quand même, les écouteurs, on a tendance à se rétrécir l'espace. Mais là, l'espace est pas mal reproduit. Ça, c'était important. Tout d'un coup, je me souviens quand, à ce temps-là, je travaillais Gaspard, quand j'ai commencé. Et franchement, ça posait quelques problèmes quand même avec un piano. Il n'y avait pas le répondant pour jouer ce genre de musique. Alors que là, je viens d'essayer quelques notes, ça répond très bien, il n'y a pas de problème. Ah, moi, je trouve énorme, oui, oui, surtout dans le contact, c'est très, très différent. Oui, oui, c'est-à-dire, c'est surtout, avant, on avait toujours l'impression qu'il y avait une espèce de décalage entre le moment où on appuyait et le moment où il y avait le son. Ça n'allait pas ensemble, donc ça arrivait sur du vide, c'était assez difficile pour ça. C'est ce que je disais, c'est-à-dire, en fait, on a vraiment l'impression que quand on appuie la note, on a la sensation immédiate du son, donc on peut quand même sentir bien le contact et la production du son. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, quand on voit les appartements modernes avec des murs grands comme ça, si on n'a pas quelque chose, les pianos, c'est mal vu. Hein. C'est mal vu. Enfin, mal entendu, plus trop entendu. Mais ce qui est important, c'est que quelquefois, c'est vrai qu'au départ, moi non plus, je n'étais pas très enthousiaste de mettre un écouteur pour travailler. Ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de faire.
Mais s'il y a une qualité comme ça, bon, ça ne vaudra jamais d'avoir un beau piano à un queue de concert dans une salle. Ça, jamais. Mais quand même, pour travailler, c'est très bien. On peut changer? Ça peut faire du bruit à la maison. Ça fait changer la masse de l'intérieur, carrément. La table mélodique. C'est ça qui fait que ça change. Comment ils font ça? Ça m'intéresse. Ah, et d'accord. C'est la table harmonique qui vibre. Ouais. D'accord. Donc on commence le matin. Ça c'est pour le matin quand on commence. Et après on peut faire d'autres choses. Le son est très long. C'est ça, ouais. Oui, la résonance est très longue. Beethoven, c'est très content de ce genre de de longueur. C'est amusant, ça. C'est une bonne surprise en ce sens qu'on peut s'amuser. C'est évidemment différent d'un... C'est quand même différent d'un piano normal. On peut faire des tas de choses. Je peux faire le début du Tchaïkovski avec ce genre de son et puis faire le deuxième mouvement en baissant le son. C'est-à-dire, ça peut devenir très artificiel si on ne fait pas attention. Allez, il me faut une perruque. Ça, c'est la première fois que j'ai un clavecin avec pédale. D'accord. Oui, mais on a presque l'impression de la corde comme sur les clavecins. Tu sais. Ça, c'est bien parce que c'est beaucoup plus facile que sur un piano. OK. Oui?
Ça, c'est amusant. Ça, c'est pas mal pour les élèves. Qui jouent un tout petit peu des choses comme ça, qui n'ont pas de dynamique propre. On n'a pas besoin de faire de dynamique, mais qu'on suive. Ça va, c'est pas mal quand on joue un prélude comme ça. Prélude de bar sans avoir de dynamique dedans. Oui, non, c'est d'un point de vue pédagogique, c'est pas mal du tout, ça. Migi ? En plus, il y a un décalage. Mais en fait, il faudrait faire de la musique spécialement pour ça. Oui ? Ça, on peut parler de ça. Alors, c'est un truc très intéressant, c'est vrai pour les étudiants, parce que ça vient directement du piano, parce qu'ils ont, ils ont un système, ça s'appelle le concerto, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a des disques, en fait, qui ont enregistré la partie d'orchestre pour qu'on puisse jouer avec. Et ça peut être très intéressant pour des étudiants, travailler un concerto aussi, jouer un concerto comme ça. Donc, mais ça, je trouve ça très intéressant comme idée. Ben là, pour l'instant, il y a Tchaïkovski, mais enfin, il y a quand même 400 concertos pour piano, donc... Ah, quand même. Déjà, ouais. C'est-à-dire, il y a des... quelques concertos, de toute façon, ça bouge trop pour qu'on puisse faire beaucoup de choses, mais effectivement, des concertos de Beethoven, Grieg, Schumann, ça sera plus dur peut-être, mais ce genre de choses, mais c'est intéressant, oui. Ça, c'est bien. Oui, non, ça, c'est très bien comme idée, oui. Bravo. Bon, de toute façon, je pense qu'avec celui-là, on peut faire un travail professionnel d'un point de vue de la qualité de l'instrument et surtout de l'écoute. L'autre piano, ça dépend, parce qu'il y a aussi évidemment le problème de la taille. Ce genre de taille de piano, ça sonne jamais extraordinairement bien. Mais on peut faire des tas de choses avec. Moi, je trouve l'idée de faire du clavecin, c'est pas mal pour les enfants. Et puis les concertos, c'est très bien. L'autre avantage, évidemment, c'est vu la taille des appartements au Japon, c'est peut-être pas mal d'avoir un tout petit comme ça. Je crois que ça ne s'adresse pas au même public. Ça, ça irait très bien pour un enfant qui commence à apprendre des choses, et ça, c'est très bien. Mais par contre, pour un étudiant d'université, ça, le coût des concertos, c'est pas mal. Pour les concertos, oui. Peut-être Bach, mais surtout les concertos. Et puis pour les gens qui cherchent en électronique, ça doit être amusant de regarder comment c'est fait. En tout cas, c'est une belle invention. Bravo. Merci.